Bonjour, je suis le docteur Bongolo. Je suis originaire du Congo Voix, Congo Brazzaville. Je suis médecin de médecine physique et réadaptation. Je m'investis dans le problème de la jeunesse de mon pays. Pour faire le lien avec nos ancêtres. Quand ils ont migré dans Zimbabwe, Zimbabwe c'est par ici. Donc ce carré là, je peux le mettre ici à Zimbabwe. Leur a permis de surveiller, pareil, les prophéties qui ont été. On leur a dit, vous allez migrer, vous allez vous arrêter 40 ans au Zimbabwe. Vous bâtirez une autre civilisation là-bas. Vous ne partirez de là que quand vous verrez les signaux, tant. Quand ils ont vu les signaux, c'est quelque chose de bon. Travaille auprès des jeunes pour leur montrer la valeur surajoutée de nos traditions dans ce vaste programme de réhabilitation de la culture africaine. L'objet de notre association, c'est de restaurer l'harmonie entre la science et les valeurs de nos coutumes ancestrales afin de réussir l'homme tel que défini par notre ancêtre primordial. J'évolue donc au sein d'une association dont je suis la présidente, c'est l'association Nkamambangala. Que veut dire Nkamambangala? Nkamambangala, c'est le nom d'une femme génie aux neuf saints qu'on retrouve dans les écritures de la cosmogonie Kongo. Et donc, Nkamambangala pourrait être l'équivalent de 1000 potentiels ou de multiples potentiels. C'est une philosophie de base qui permet à apporter plusieurs solutions sur un même problème. Et comme on est un peuple un petit peu têtu aussi, hein, on aime bien se séparer. Hein. Probablement que d'autres ont adoré d'autres petits dieux que celui qu'on leur avait dit à ton armée. Et ceux-là, ils étaient perdus, ils sont venus jusqu'en Afrique du Sud. Mais c'est des Zoulous, c'est nos frères. Hein. Ils disent qu'on Nkulunkulu, c'est Nkulunkulu. Voilà. Donc, eux, ils n'ont peut-être pas respecté le moyen temporel et puis physico-temporel qu'on leur avait donné pour lever l'ancre et partir. Parce que ceux qui ont découvert les vestiges de Zimbabwe, ils disent que le peuple qui vivait là est parti sans rien prendre. Il a tout laissé, tout abandonné. Hein. On a dit, quand on part, tout le monde est parti. Maintenant, quand ils ont creusé, ils ont trouvé des gongis. Réussir notre civilisation, c'est développer des valeurs humaines garantes d'une dignité fédératrice de valeurs spirituelles, physiques et bien harmonisée entre soi-même et l'environnement. La peau, elle est sale, ta peau. Et dès la maternelle, ça commence comme ça et l'enfant grandit avec. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Où je vais être l'avant-centre pour amener à éclore cette civilisation
que le monde entier attend. Civilisation. Cette civilisation ne naîtra pas si on ne met pas le pouvoir. Parle. La parole nous a franchi, n'est-ce pas? La parole nous a franchi. Aujourd'hui, on a un prophète qui est sorti du Congo Kinshasa qui dit, quand vous apprendrez la vraie parole, non, il dit, on nous a répété que apprendre la vérité, ça nous a franchi. Mais quelle vérité? Parce qu'il y a plein de vérités. Les Chinois ont leur vérité. Les Japonais ont leur vérité. Les Linéens. Que veut dire Yemeka? Et comme le nom de notre association est Gamambangala, la femme génie aux neuf saints, donc le saint c'est un élément important pour nous. Et le saint a beaucoup joué dans la migration. Donc, que veut dire Yemeka? Yemeka c'est, vient du mot Yema. Yema veut dire aimer, allaiter. Yemeka veut dire aussi allaiter, faire l'apprentissage, élever, voilà. Donc, dans nos cours, nous donnons des cours de Yemeka Zou. Allez, Yemeka Ndinga en Kikongo veut dire en français, en Kikongo, cela veut dire faire l'apprentissage de la langue. L'UNESCO, depuis 2005, autorise, plutôt recommande à toutes les communautés d'apprendre la langue maternelle aux enfants afin de conserver les coutumes ancestrales. La migration, c'est un sujet douloureux pour le peuple noir parce qu'il a généré beaucoup de stress, beaucoup de traumatismes. Et dans ma profession, je prends en charge le stress et les séquelles de traumatismes. Le rapport avec la migration vient aussi du nom de notre association qui est Gamambangala, la femme génie aux neuf saints. Et donc nous avons choisi des termes mnémotechniques pour attirer l'attention des jeunes. Notamment le terme de Yemeka. Yemeka qui est un mot qui vient du verbe Yema, Yemeka, allaiter, faire l'apprentissage de la culture, comme je viens de le dire plus haut. Faire l'apprentissage de langue maternelle est un conseil que l'UNESCO donne à toutes les communautés pour essayer de valoriser les langues maternelles, pour les conserver, pour la conservation plutôt des traditions. Moi, dans ma profession, étant donné que je soigne, je prends en charge les séquelles des traumatismes, l'esclavage, la colonisation, même simplement la vie, par exemple pour les Noirs qui sont en Europe, qui souffrent de maltraitance, de la discrimination, donc l'exil ou encore l'émigration sont pour nous, les peuples immigrés, et bien, source de douleur, source de stress qu'il faut traiter. C'est pourquoi donc, dans nos ateliers, nous développons des valeurs humaines, avec nos instruments
surtout les instruments qui ont été utilisés dans la migration, tels que le tambour, tels que le ngongi qui a été retrouvé jusqu'au Zimbabwe dans les vestiges, qui ont fait que les peuples du Zimbabwe de l'époque soient rapprochés de ceux du Congo actuel. Donc, la migration et mon métier, ce sont deux problèmes qui m'intéressent. Et je m'investis vraiment afin de toujours prendre en charge tout handicap. Chaque handicap n'est pas visible, il y a des handicaps invisibles. Et ben, le stress, avec tout ce qu'il peut entraîner, peut être responsable de l'handicap invisible. Chanter, danser, congolais, Congo, pour que ben, un jour, vous verrez quelqu'un qui viendra vous dire, vous êtes parti de tel. Donc du coup, leur vœu a été exaucé dans les années 1990. Le royaume Congo qui a attiré la colère parce que les gens étaient civilisés. Ils avaient tout. Il y avait le Ndote là, donc tu ramasses, il y a des fruits partout, tu ramasses, tu manges, les femmes étaient belles, de beaux cheveux. Les garçons, ils étaient très beaux. C'était merveilleux. Et donc, on a vécu longtemps. Mais, pour en arriver là, quand on a quitté l'Égypte, arrivé là, il y a eu des peuples qu'on a trouvés ici. Mais on ne sait jamais, il y a eu peut-être des guerres de, comment on appelle ça, c'était pas des guerres fratricides, meurtrières comme ici, c'était petite, voilà. Et les gens ont réussi à s'entendre grâce aux traditions, grâce, voilà, et à bâtir cette civilisation. Yema, c'est, Yemeka, c'est, tu le fais, c'est l'action. Alors on y va, installé dans mon bassin. On n'est pas des petits lions, on est des petits chiens, on est des petits chats. Donc ça doit casser le mur. Installé dans mon bassin. Installé dans mon bassin. J'ai les genoux pliés. J'ai les genoux pliés. Installé dans mon bassin. Installé dans mon bassin. J'ai les genoux pliés. J'ai les genoux pliés. Pouti qui dit makoto. Pouti qui dit makoto. On n'entend pas les voix qui cassent. Fouti kidi makoto, Fouti kidi makoto, Zakalamu luketo, Zakalamu luketo, Fouti kidi makoto, Fouti kidi makoto, Zakalamu luketo, Zakalamu luketo. Et on y va à gauche ou à droite, à droite. Tout le monde à droite. Et le prochain, on va à gauche. À gauche.